Au nombre des activités marquant le 20e anniversaire du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, Kamek Bénin, le présent colloque international tenu ce 11 octobre 2023. Ces assises des professionnels du droit, des arbitres médiateurs et bien d'autres partenaires du Kamek Bénin sont initiées en vue d'échanges d'idées pour susciter l'engouement des opérateurs économiques à la pratique de l'arbitrage et de médiation. Après 20 ans de cheminement, il convient de marquer une pause en vue de dresser un bilan et de réfléchir aux enjeux et perspectives. Depuis une vingtaine d'années, une centaine de demandes de règlement de litiges dues à l'inexécution des obligations contractuelles ayant divers objets ont atterri au Kamek Bénin. Aujourd'hui, Kamek Bénin a réalisé qu'il est venu à la croisée des chemins où tous les acteurs de la chaîne de règlement de litiges, en rang serré, doivent se rallier à la même cause qu'est le développement de la justice privée commerciale au grand bonheur des opérateurs économiques qui revendiquent sans cesse l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire des entreprises afin de sécuriser leurs investissements. Mode alternatif de règlement des litiges et recouvrement des créances. Ainsi se présente le thème de cette rencontre saluée par le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il reste convaincu que les échanges vont permettre d'atteindre les objectifs. Cette journée de la médiation et de l'arbitrage s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs que poursuit notre gouvernement, avec pour toile de fond la contribution à la diminution de 10% de la mortalité des entreprises. Le thème de ce colloque paraît également heureux parce qu'il offre l'occasion privilégiée de dresser un bilan de la pratique privée de la justice commerciale, qui est l'autre alternative de la justice étatique. En parrainant le présent colloque, le ministère de la Justice est quant à lui séduit par le parcours du Kamek Bénin. Le représentant du ministre de la Justice a par ailleurs invité chaque participant à une synergie d'action pour relever les défis. L'appui de l'État au mode alternatif de règlement des litiges et le soutien aux activités du Kamek restent une constante dans la droite ligne de l'amélioration du règlement des affaires dans notre pays. Au cours des deux dernières décennies, le Kamek a été un catalyseur de changement de notre système juridique en encourageant l'utilisation de méthodes alternatives de règlement des différends en matière commerciale, aidant ainsi de nombreuses entreprises à trouver des solutions équitables et durables à leurs différends. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cette rencontre qui prend fin ce vendredi 13 octobre 2023.